D'abord, l'indépendance nationale, l'indépendance, l'indépendance et l'indépendance. La deuxième question, c'est la défense de toutes les libertés, des objectifs politiques de la révolution. Et ensuite, les objectifs économiques et sociaux, surtout dans les régions défavorisées. C'est une question que j'ai défendue toute ma vie et je veux continuer à la défendre à travers cette candidature. Personne n'a le droit d'acheter le pouvoir avec de l'argent. Le pouvoir s'achète par la lutte et la conviction du peuple, mais il ne s'achète pas avec de l'argent corrompu. Je mets en garde le peuple tunisien de cette corruption, qui est le plus grand danger contre l'expérience démocratique actuelle.